signer à Nîmes Olympique 2 ans plus une année. Alors pour vous, qu'est-ce qui vous a motivé à venir ici à Nîmes? Tout d'abord le discours du coach et du président M. Gazo. Puis voilà, c'est un club ambitieux. Moi je le suis aussi. Et puis j'avais envie de continuer ma carrière dans un club ambitieux, bien structuré. Donc je suis vraiment ravi d'avoir rejoint le Nîmes Olympique. Donc je sais que l'objectif, c'est sûr, on ne peut pas faire autrement, ce sera de faire mieux que l'année prochaine, que l'année dernière, pardon. Donc si on fait mieux, on ne devrait pas être loin des... Si on arrive à faire mieux, pardon, on ne devrait pas être loin de cet objectif-là. Après, l'objectif, ce sera, de prendre les matchs les uns après les autres, d'essayer de gagner un maximum, de pérenniser le club en Ligue 2 dans un premier lieu le plus rapidement possible. Et puis après, on verra où on en sera. Après, pour l'instant, c'est encore trop tôt. On n'a encore pas fait les matchs de pré-saison. On n'a encore pas attaqué tout le travail de pré-saison. Donc, on verra tout ça après. Déjà, bien se préparer, bien attaquer le championnat. Et puis après, on verra comment ça se goupillera. Tu avais un souci de signer rapidement pour ne pas renouveler l'expérience de l'année dernière pour tout ça. Oui, il y a ça aussi. L'année dernière, j'ai vécu une expérience malheureuse en vouloir attendre des décisions de club. Ouais, j'avais des propositions, j'ai voulu attendre d'autres choses et du coup, je me suis retrouvé un peu sans rien. Donc, c'était très compliqué. Et puis, de toute façon, c'est un club que j'aime bien ici, que j'aurais toujours aimé rejoindre. Donc, je suis bien content. Et quand la proposition est arrivée, c'était oui tout de suite. Quoi. Tu l'as dit, ça, Châteauroux souhaitait te garder. Oui. Néanmoins, tu as préféré venir dans le sud. Oui, Châteauroux voulait absolument me garder. Le coach voulait absolument continuer de travailler avec moi, le président aussi, le directeur général aussi. Mais bon, après, il y a des aléas dans des clubs qui font que c'est peut-être un peu plus long que ça aurait dû l'être. Bon, c'est comme ça maintenant. Moi, j'ai pris ma décision et je suis ravi d'être ici. Alors, vous connaissez déjà Nîmes, vous avez déjà rencontré, déjà fait face. Donc, pour vous, au point de vue joueur, donc vous connaissez déjà des joueurs et vous connaissez déjà l'historique et le jeu un peu. Oui, bien sûr, Nîmes, je les ai rencontrés pas mal de fois depuis que je suis professionnel maintenant. L'année dernière, j'ai joué aussi contre eux, donc le match retour. Il y a de très très bons joueurs. Après, personnellement, je connais bien Pierre Boubi. Voilà. Et après, les autres joueurs, forcément, oui, je les connais bien, de très très bons joueurs dans cette équipe. Et je suis content de pouvoir venir jouer avec eux. Vous avez déjà rencontré le coach, vous avez déjà eu un entretien avec lui? Oui, j'ai déjà discuté avec lui. Là, je l'ai eu il n'y a pas longtemps. Donc, j'ai aussi hâte de le découvrir et puis de travailler avec lui. Alors, par rapport à votre poste, disons qu'il va y avoir un peu de concurrence, mais pour vous, c'est pas gênant du tout. Non, c'est mieux. Si on arrive dans un fauteuil, c'est le piège. Non, c'est bien. Il faut arriver pour gagner sa place. Et c'est ce qui permet de travailler, de progresser, de faire progresser tout le monde, faire progresser l'équipe. Et puis, c'est ce qui nous permettra de faire une bonne saison. We'll be right back.